7h19. Bonjour. Très très tôt le matin, mais je suis quand même très contente. Je vais à mon Disney à moi. Je vais faire mes vidéos pour le livre. Ouh là 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 là, ici le matin. Bonjour Jojo. Ça va? Et on va filmer tout aujourd'hui, donc toutes les vidéos pour la promo que je vais diffuser sur les réseaux sociaux et aussi les photos. C'est la première fois que je fais ça, pas faire des vidéos et des photos, mais de le faire vraiment en essayant de faire plus pro, en me mettant des studios avec quelqu'un qui m'accompagne, etc. Donc c'est un vrai défi, je sais pas du tout ce que ça va donner, après c'est mes amis, donc ça va. Mais j'update, je ne suis plus dans ma petite chambre à faire la vidéo, donc on va voir. On a pas de rendez-vous à proprement parler, mais on s'est dit que ce serait cool qu'on arrive au plus tard vers 10h. Je vais aller me préparer, je vais aller promener mon petit GG, et puis déjeuner, puis on est parti quoi. Bon bah la journée commence bien, j'étais dans la douche et il y a ça qui s'est tout cassé la gueule par terre, toutes les crèmes et tout. Puis j'ai des boutons aussi, je pense que j'ai mes règles. Puis la petite marque. Oh bah elles vont être belles les photos. On va vraiment être en mode. Voici le livre. Bonjour mon GG. Si les bougeons. Oh là là. Oui c'est trop tôt maman. Moi j'ai fait dodo à cette heure là, ça va pas ou quoi? Oh là 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 là. Petit déjeuner de star. Une orange, j'avoue que je la mange vraiment pour faire genre. Mais je sais que ça me donne aussi beaucoup d'énergie. Parce que les fruits c'est la vie. Skier, céréales, noix, miel. Trop bon. Pain complet, un petit peu de beurre. En ce moment, je suis en mode healthy girl. Par contre, il est 8h10. J'entends pas Jojo se réveiller, ça me fait un peu peur. Le petit caca de GG avant de partir. Le bordel dès le matin, regardez, elle, on dirait qu'elle est habillée en petit, vous savez, genre schoolboy. On est parti et on est à l'heure. Il est 8h41. Ça, c'est notre chanson, ça. Toujours dans un parking, c'est important à un moment donné de se retrouver. Je crois que je me suis fait niquer sur le parking. Mais bon, c'est pas grave. Ça partira dans l'échange de la société. Allez, hop. Bon, nous voilà dans les beaux quartiers de Neuilly, en direction donc des studios. Pas de la merde, je vais te dire. Moi, je tourne pas dans n'importe quel endroit. En vrai, c'est pas vrai, c'est juste un bon plan parce que Jojo, il a des studios. Parce que sinon, c'est genre 2000 balles la journée de tournage, donc autant vous dire que ça m'aurait fait mal au cul. Et je souligne à quel point c'est pas parce que t'es riche que t'es propre. Parce que le monsieur derrière, il vient de me lâcher un glaire. Genre, je pense qu'il allait le chercher au tréfonds de son âme. C'était répugnant, je me suis vraiment dit, mais gros, oh là là, faut arrêter de fumer le cigare hein, si tu le supportes pas. Bref, j'ai déposé Jojo et Ophée directement devant les studios pour qu'ils puissent sortir parce qu'on a des valises, on a de la déco, on a nos fringues et tout, enfin on a plusieurs trucs pour le tournage. Et puis moi j'avais réservé un parking organisation et discipline qui est à 10 minutes à pied pour pas se stresser, pour pas chercher de la place pendant 10 heures. Et voilà, on est tout bon. On est tout bon, on est tout bon. Je suis hyper contente, je suis un peu fatiguée, mais on est bon, il est 10h, 10h20. Et franchement c'est cool, j'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'on va avoir le temps de tout tourner. Bon après moi je suis en général, bon déjà je suis très speed donc voilà, mais je suis assez efficace et tout donc je pense qu'on va être bon. Il fait super beau, je suis super bon mood, je suis super en forme, donc en vrai tout est réuni pour que ça se passe bien. On y est, Jojo la star. Je me sens très star. On a une petite salle comme ça. Notre seule interrogation, c'est qu'en fait, moi, je voulais une ambiance très feutrée. Non, feutrée, pas feutrée. Vous savez, très sombre, genre vraiment ésotérique, etc. Et ce qui est compliqué, c'est que là, pour le coup, il y a plein de lumières et tout. Je vais m'y mettre. C'est quand même un chef de chantier, comme on dit. Ça commence, ça fait 3 minutes que je suis là et il manque un sac. En fait, quand je les ai déposés, il était derrière moi. Donc, moi, je pensais qu'ils avaient tout pris. La voiture n'était pas vide et moi, j'ai pas vérifié. Donc il nous manque une nappe noire et il nous manque 2-3 trucs que j'avais pris. Bon, c'est pas très grave, c'est juste un peu con et j'ai la flemme d'y retourner. Donc là j'essaye de dealer pour que ce soit un des... Putain la gueule que j'ai. Pour que ce soit un des deux qui aille. Mais normalement en fait ici ils ont des décors. C'est juste que Jojo il faut qu'il y ait accès. Et là visiblement il y a... Il y a personne quoi qui pourrait nous donner accès à ce décor. Bon sinon je vais y retourner, hein. Je vais me motiver mais flemme. Bon ça y est, on installe les trucs. Oui, si tu veux. Là, on peut la mettre là. De toute façon, oui, elles ont pas... Elles sont pas dans le même... La même le même bah si, elles sont quand même dans le même, mais en effet... Elles sont pas dans le même... Fond. Tu
tu vois. Du coup, on garde ça ou pas? Ou non, on fait un truc plus haut? Bon, au film refait la gueule. En fait, on s'est dit qu'on allait commencer par faire les photos. Bon, le début est toujours un peu pas catastrophique parce qu'on s'en sort bien, mais toujours un peu plus compliqué à mettre en place parce qu'il faut trouver les décors, la bonne luminosité et tout. Donc là, on va commencer par faire les photos que je vous mettrai, vous aurez le livre. Enfin, vous pourrez voir le livre. Et puis, on va essayer de faire plein de photos comme ça, on en aura plein en stock, tu vois, je me dis. Voilà. Ça va, tu vas réussir à le cacher, le bouton, non? Je vais prendre le tarte. Ah, carrément. Je vais prendre le placo. Finalement, on change encore l'organisation. On commence avec ce truc très brillant, à savoir du fond violet. Parce que vous verrez, à un moment, le livre, il sera sur un socle. Et en fait, je voulais faire une pub comme dans un parfum. Vous savez, les objets hyper luxe et tout ça, avec des lumières et avec, bah, avec le livre, quoi. Donc, on part là-dessus. On va essayer. C'est un peu du freestyle, hein, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ophée va être main, parce qu'elle a des très belles mains. Et moi, pas trop. Là, on va gérer les lumières. Ça, c'est assez compliqué de gérer les lumières. C'est Chouchou qui fait. Pour essayer de trouver le bon spot et tout ça. En plus, il va avoir des jeux de lumière. Enfin, bref. C'est un peu de l'impro, hein. Regarde juste la netteté. On voulait pas, j'ai oublié d'aller vous filmer. Bref, on a fini le tournage. Et là, on a allé manger. On a pris des petits trucs au Monop. Jojo est en train de tester les fameux Kinder. Est-ce qu'on serait pas un crash test dans le vlog? Alors, qu'est-ce que c'est, montre-nous? Kinderny. Et en fait, attends, je me permets de faire un petit contexte qui est que bon, Jojo est fan de la bouffe de manière globale, mais particulièrement des choses Kinder. Et hier, il était à la maison et du coup, il n'a pas arrêté de voir ça en pub. Influencé comme Jaja, là je vais au Monop et j'ai dit, ah bah vas-y, ça va lui faire plaisir parce qu'il voulait tester. Donc, Kinder Nini, ça s'appelle? Je suis très déçu. Bah oui, je te l'avais dit que t'allais être déçu. Je pensais que ça allait être fourré dedans et en fait, c'est juste un gâteau. Oh! Et vous avez juste les lunettes et la bouche du. Croustillant, Kinder, ouais. Ah ouais! C'est ça en Kinder, genre c'est du vol. Ouah, tu veux montrer à la caméra? Ah ouais, je l'ai mangé du coup. Mais c'est bon quand même ou? C'est bon, ça va. Je pense qu'il faut tremper dans le café. Ouais, je pense qu'il faut tremper dans le lait. Regardez, vous avez juste le gâteau et en fait, les yeux ils sont en Kinder et la bouche elle est en Kinder donc c'est du vol. Donc du coup, tu mets combien sur 10? Franchement, 5, 4. Ah ouais? 4, 5, ouais. Ça va? Non, moi les trucs comme ça, tu vois, on a acheté des vrais cookies, je préfère me prendre un vrai bon cookie. Ouais, bah, franchement, je pense que je vais juste me régaler avec. Bon, après, ça, tu vas le manger, hein. 4 heures, là, ça fera plaisir. Mmh. Et ce matin, on a fait donc. On a fait la photo de. Je voulais faire vraiment une belle photo de. En mode photo de lancement. Et on a fait un petit réel aussi que je voulais faire. Et là, on a la grosse vidéo à tourner cet après-midi, qui est la, celle qui annonce, qui monte pour la première fois le livre, etc. Et voilà, et là je me suis mis un chrono, il me reste 7 minutes. Petite digestion de 7 minutes et on reprend à 14h. On est tac 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 parce qu'en vrai c'est long d'installer les trucs, de trouver les bonnes lumières et tout ça. Heureusement Jojo est là, il est vachement expert sur le truc parce que moi j'y connais rien. Donc tu sais, le son, la lumière, le machin. Allez, je vous laisse, il me reste 6 minutes 30. Bien de sonner. Moi c'était court, mais franchement les comment ça s'appelle, les power nap, et power nap ça marche trop bien, mais faut prendre sur vous, hein. Faut vraiment faire 15 minutes max et faut se réveiller direct parce que sinon tu pars et là c'est mort. Je sais pas si ça a filmé, mais du coup je dois vous montrer qu'on change de décor. On va essayer de faire une ambiance un peu comme ça, donc je vais pas montrer le livre, mais c'est une ambiance un peu comme ça. Aubergine. Mais non, on va le monter, Nono. Ok, et ensuite du coup Jojo, il nous faut la chaise. Ouais, mais tu vois, on va avoir le bas, non? Non. Tu veux que la table soit en face et que du coup je parle comme ça? Ok, donc là on va tourner comme ça et quand je serai là, je tournerai comme ça. Ouais. Ok, donc ça c'est bon. Et juste Noélie, quand elle va rentrer, bah en fait du coup je te regarde par là, en fait je m'en fous. Moi je regarde toujours par là, après toi tu feras le montage. Non mais ça va, je me repose là en vrai. Oui, mais ferme tes yeux et ferme ta gueule. Moi je verrais bien une plante pour le coup là. Moi aussi. Et là on met la table devant, du coup il faut une table par contre. La box, tu vois. Là, il faudrait un truc un peu. On peut pas mettre le hibou ou un truc comme ça. On peut pas mettre le petit tabouret. Alors, bah, moi, je mettrais celui-là. On peut mettre la nappe noire, ouais. On peut mettre la nappe noire là. Ouais. Et on met la déco. Très bonne idée. On va désolé. Vous devez sauter. Je vais la baisser. Tu vas me dire si tu la sens toujours devant ton visage ou moins. Non, il faut monter du coup pour qu'il y ait moins de. Oui, qu'il y ait moins de haut en fait. Parce qu'en réel, ça va. Tu sais, avec les écritures en dessous, en fait, ta tête, elle va être. Après, moi, je préfère prendre en large. Après, tu peux zoomer. Ah, mais c'était pas mal comment t'avais fait là. Ouais, vas-y, ouais, encore. Allez. Vas-y, on essaye avec moi. Mais en fait, vous êtes pas en train de me lire l'avenir, vous avez juste lu mon livre. Le pire job de sa life. Teneuse de micro. Non, pas.
Vas-y. Quand vous verrez la vieillette Déo, dites-vous que j'ai ça en face. Et Attends, Gisèle. Je m'en mode retour, Gisèle. Vas-y. Tu penses quoi, ok? C'est parti. Donc là, je me ligne première fois. Et après, je te ferai si tu veux en voir. Ah, bah voilà, je peux enfin. Ça te va? Oui, je peux enfin régler la luminosité. Ouais, je vais être en quand même. Alors, on voit juste les lumières. Est-ce que, Nono, je vais t'embêter? Tu peux te décaler un peu plus par là. Je suis navré, mais on voit les lumières. Voilà. C'est bon? Ouais. Attends, je vais remettre mon voile là. C'est dommage, on a loupé de ça que ce soit filmé. J'ai pris la caméra, j'ai voulu m'asseoir sur ça, ça s'est transformé en lit. Et au même moment, Jojo, tout est tombé. On est là, ça y est. Il nous reste une scène. Il nous reste Coralie à tourner. Et après, on a tout. On a tourné en tout quand même 4 trucs. Donc, trop cool. Mais putain, j'étais pas prête. Waouh, c'est vrai que t'as trop. Ouais, vous êtes pas prêts. C'est une fin de tournage, il est 16h30, on a tout fini. Sachez qu'on a tourné 3 vidéos avec plein de prises et tout, enfin là vraiment. Plus un set photo, plus plein de set photos en fait. Parce qu'on a fait plein de photos partout. Donc en vrai, trop bien. Je suis trop contente que ce soit fait. Je suis trop soulagée. Maintenant, il y a la partie montage. Mais j'avoue que pour la première fois de ma life, c'est pas moi qui vais faire le montage, c'est Jojo. Et ça, ça me change la vie. Très contente. Et en plus, lui, il est bien plus doux que moi. Il nous reste quand même tout à ranger. Hein. Donc là, on va ranger tout le bazar. Et on y va, mais. Vous pouvez pas savoir comme je suis contente. C'était trop bien, hein. Vraiment c'était trop bien. On n'a pas chômé, on n'a pas perdu de temps, on a bien avancé et tout, donc trop satisfaite. Voilà, bah écoutez, je sais pas si c'est une fin de vidéo qu'on se termine ici. Oh, peut-être que je vous reprendrai quand on va quitter les locaux. Voilà. Par contre, je déteste ce haut là. J'avais acheté ça en foire à tout. Mais vous verrez, c'est pour jouer Coralie. Regardez comme l'aventure est pas finie. Et là, on rentre comme ça. Vous savez que. Depuis quelques semaines, je bosse avec Ophé maintenant, qui est devenue officiellement ma collègue. Et vous savez qu'avant, je me dis, tu te rends compte que tout ça, je le fais toute seule. Je suis repartie avec mes 4 sacs sur le dos, me connaissant, en mode mulet. Et maintenant que j'ai quelqu'un, je me dis, mais comment je faisais? Genre vraiment, je devais me pousser à bout. Mais bon, quand t'as pas le choix, en fait, tu sais pas, donc tu fais quoi. Là, c'est fini, il nous reste 5 minutes de marche. On monte dans la voiture. Et ciao, on a trop hâte de voir les montages. Franchement les vidéos vont être très bien. Je pense qu'elles vont vraiment être bien. Parce que les prises de vue sont trop belles. Je pense que c'est rigolo. Je pense que ça va être cool. On a hâte. De toute manière, vous allez voir cette vidéo dimanche. Et à partir de la première vidéo, sauf erreur de ma part, elle sort le 6. Donc vous allez la voir mercredi. Donc vous allez voir très vite. Et comme ça, vous penserez à moi, qui a je sais pas combien de kilos là, en train de marcher. Et ben vous vous rappellerez ça quand vous verrez la vidéo mercredi. Je vous fais des bisous. Au fait, elle vous fait des bisous. Mais elle vous fait des bisous soufflés. Des bisous essoufflés. On n'en peut plus en vrai. Ah ouais, on a envie de rentrer, retrouver nos bébés chiens aussi parce que, mine de rien, là on est parti, il était 8h30, 45. Nos bébés vont avoir la quatre queue. Donc, on se dépêche de rentrer. On vous fait des bisous. Merci et la moto. Ciao.